Salut mes minoutes, c'est Goloric. Alors, on est parti sur une petite vidéo sur le jeu Gunsmite Simulator, excusez-moi. Jeu où on devra automatiquement, comme vous pouvez le voir, créer nos armes. Vraiment un jeu de simulation, de création d'armes. Donc là, on est une petite armurier. On aura des petits contrats et on devra automatiquement les respecter. Comme vous pouvez le remarquer, hein, sur le côté, il y aura vraiment pas mal de personnalisation. Je sais pas si je fais un let's play, si je vais faire plusieurs épisodes. En tout cas, je vais essayer d'avancer au maximum en sachant comment que je n'ai jamais fait le jeu. Je l'ai vu vite fait passer sur Steam. Et moi, comme je suis fanat de jeux comme ça, je peux passer du temps comme pas possible. Je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer une aventure avec vous. Je l'ai même pas essayé en avant-première, d'habitude j'aime bien aussi ça, essayer pour voir là où ça me mène, et là j'ai dit non, allez, je vais vraiment l'aventure avec vous. Donc là je suis à peine arrivé dans mon... Je suis à peine arrivé dans mon établi. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tout petit peu le tour, aucune dialogue, aucun cinématique, rien du tout. Je dirais pourquoi pas. Là il y aura aussi... Ah c'est les compétences, ah ok pas mal, j'aurais un système de compétences. Ok bon bah voilà, au moins on va regarder tout ça ensemble. Ça prête. Donc première tâche, voilà, lire un peu ce qui se passe. Code 1911, moi j'en ai des répliques comme ça en airsoft. Code 1911, c'est une belle arme. J'aime beaucoup, surtout avec la plaquette en bois sur le côté. Récompense. Donc la valise pour travailler sur le col de grand-père, oui. Ouais, vraiment. Ah, bien la petite cinématique. Donc là j'ai rien à faire sauf commencer le travail. De l'autre côté. Ok, la bombe, non, je pense que c'est là. Il me faudra la possibilité d'avancer, donc nécessaire. La fraiseuse pour avoir tout ça. Le souhait du client. Alors, vous pouvez démonter pièce par pièce. Commencer la poignée gauche. Poignée droite. Comment tu fais pour tourner? Alors, c'est quoi les touches? J'ai pu zoomer, ok. Voilà, je suis chargeur, techniquement, on n'a pas besoin. Strictement interdit de travailler avec un chargeur. Je voudrais tourner l'arme. Est-ce que je peux le tourner? Point rapide, zoomer, astuce, T, aide. Non, je peux pas la tourner là. Tu veux que j'enlève la plaquette de l'autre côté si je peux pas tourner l'arme? Retenir mon souffle. Je peux retenir mon souffle. Voilà, j'ai pu le tourner. Comme il me le dit, hein. Voilà, ça c'est fait.
japonais, voilà. Bon, c'est temps de comprendre vraiment les mouvements et trouver les pièces. En tout cas, tout est marqué sur le côté gauche à chaque fois qu'on arrive. Vraiment tourner comme on veut. Tourner là. Sécurité, c'est ça que je peux enlever. Je dois vraiment tout enlever. Démonter à 100%. Pour être marrant, pour une première. Regardez, j'ai plus d'éléments verts. Je peux même pas enlever la gâchette. Ok, pour faire ça et sélectionner. Ok. Ça, il faudrait le nettoyer. Aidez-moi, ça aussi le ressort, je peux le démonter au niveau de l'arme. Alors, je vois comment qu'il est rouillé. Ouais, le ressort techniquement, tu devrais. Pas grave. Ah, ok, demande de démonter aussi le chargeur. Ouais, je comprends mieux. On sort complètement défoncé. Bien parce qu'on dirait qu'il manque des éléments. Peut-être. Ah, mon ordinateur, il manque des pièces. Donc, il y a vraiment des pièces cachées à droite et à gauche. Ils vont vraiment tout regarder. Alors, en tout cas, tout ça, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Ah, regardez. Un tout petit truc là, de. Petite pièce de bras, voilà, tout est démonté. Apparemment je dois racheter tout ça. Quitter la table, laisser pour l'instant.
Ah, je crois que j'ai bien aimé ce jeu. J'ai toujours aimé à démonter tout ce qui est moi, mes répliques d'airsoft. Déjà, ça, j'aime bien. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est carrément une des vraies armes. Ah, en tout cas, il me met la liste là. Ça, c'est super. Alors. On va essayer, hop, dans support U. Support de marteau 1911. C'est bon. Ressort chargeur Colt 1911, il est là. Ressort du percuteur. Donc, on va voir si j'ai un peu 1911. Voilà. Donc, ça c'est bien. Attends, en chute 1911 plus l'élément, j'arriverai peut-être à trouver plus facilement. Donc, là, ressort du percuteur, il est là. Rail inférieur droit, rail inférieur gauche. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ah merde, j'ai pas vu celui-là. Alors, il me faut le ressort d'accrochage. Il est où? Ressort d'accrochage, il est là. Ah, je vous te poignet. Bon, voilà, ça me coûte pas si excessif l'ensemble. 145. J'ai 1200. Allez, hop. Donc, ça, c'est bon. Et là, il me faut un laser. Lampe de poche, non, c'est pas ça. Laser pour pistolet, c'est ça. Ok, ouais, c'est déjà sélectionné. Ah, ok, je vais devoir les nettoyer. Je dois les ramasser. On va déjà faire ça. Les prendre, mais bon, peut-être nettoyer un cachifon, ouais, je veux bien, mais on appuie sur cette ARL, ok. Ok,
Ok, c'est parce que je savais pas sélectionner le bon, ok. Voilà, tout a été remplacé. Sélectionner les parties. Détail avec un chiffon, donc là il s'est sélectionné. Ah ok. Ouh. C'est bien. La pièce. Donc je te nettoie avec un chiffon. Ouais, faut juste, ok, faut juste cliquer dessus. Et me nettoie, ok. Tout simple, hein, moi on a besoin de sélectionner. Voilà. Et on remonte tout. C'est con que les petites goupilles comme ça, ils devraient les laisser directement sur la table aussi. Parce que ça fait quand même partie de l'arme. Moi je m'en souviens que sur une de mes répliques j'avais perdu une copie comme ça, je me le fous. Forcément on perd une copie, t'as le truc qui est complètement HS. J'ai d'en racheter une, ça coûte une fortune pour si peu. Ah, ça fait penser quand même un petit peu à tout ce qui est car simulator et tout. Je dois automatiquement remonter une bagnole. Jeu intéressant, mais trop redondant. J'ai gagné des compétences automatiquement, pas dans tous les villages. Ah bah tu crois quoi, on va essayer l'arme. Oh, on va déjà essayer là.
ennemis, plutôt intérêt. Je tire dans le barbecue. C'est mauvais. Ah, le dernier, laisse tomber. Ah ouais, j'ai fait plus de points la deuxième manche. Ok, ouais, mais les deux dernières cibles quand vous regardez. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, des mini-jeux comme ça. Ah non, un peu trop loin là. Ouais, franchement, y a plein de jeux. Ah ouais. Avec un petit recul, pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. Franchement, dès qu'on aura des meilleures armes, on pourrait faire des bons petits trucs ici. On va faire le petit parcours, hein, on va le voir ensemble. Les blancs, faut pas les toucher. Mais... Oups.
Et merde. Résultat 40 ou 44, c'est pas mal. Oh, c'est ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Ah, apparemment, il y a là-bas, il y a un stand de tir aussi, on dirait. On va essayer. Hop. Allez. Ah, je peux mettre la sécurité. Eh merde. Désolé. Et merde, j'ai pas dû recharger. Oh. Oh, pas mal. J'ai perdu du temps au début à recharger mon arme. Quelle possibilité de descendre que... Ah là. Là, je regarde au cas où qu'il y aurait des peut-être des pièces à trouver ou quoi, ou caisses, hein, on ne sait jamais. Hein. Non, pas l'air. On va tenter le stand là. Pas par celui-là. Ah, comme par hasard. Ouah, bah c'est chaud quand même. Hein. Non, moi il y a vraiment pas mal de trucs à faire sur le côté, sur les centres de tir. Donc, si vous aimez bien. Bah, le tir comme ça, je sais pourquoi pas. Allez, on part à l'atelier. Et voilà, au moins c'est fait, j'ai augmenté de level. Ah, vraiment pas mal, vraiment pas mal.
Après, ça sera bien sûr un jeu vraiment redondant. Il y aura quasiment toujours la même chose et tout. Au moins, on pourra passer au niveau d'armes mythiques. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Oh, donc voilà, je pourrais acheter des armes aux enchères. Et après les vendre automatiquement. Donc je peux. Voilà. Oh, ça c'est les armes que je peux sûrement avoir. M4, Colt 1911. AKM. AKM, belle petite arme aussi. Donc vraiment pas mal, mais après avoir les réparations à faire sur les armes. Ah, j'en ai une aussi comme ça. En anti-snipe pour les personnes qui connaissent l'airsoft. Et qu'est-ce que j'aime bien avec l'airsoft en voyant directement là, c'est que pour démonter le canon de ma réplique, c'est exactement pareil. Quasiment similaire et je trouve ça énorme. Par cette étape là qui n'est pas pareil, donc forcément logique, hein, c'est pas la réplique airsoft, ce n'est pas une vraie arme. On va tout démonter. On va nettoyer à bon coup, hein, parce que là elle est sale. Oui, forcément, hein, quand je vais faire ce jeu-là, je vais souvent comparer à de l'airsoft. Hein, je suis désolé, j'ai passé des bons moments sur des terrains d'airsoft. J'ai vu qu'en appuyant sur CTRL, on voit les éléments qu'il y a encore à démonter. Et ça, c'est vraiment pas mal. De charger là, il y a pas. En tout cas, il faut vraiment la démonter à 100% et ça, j'ai franchement ça j'aime bien. Regardez, hop, il y a encore une pièce là-bas. Attention, un petit tout petit ressort ici de brin brin. Bon, en tout cas, il était pareil.
ces heures-là, j'en ai un aussi, mais me plaît pas. Je l'ai vite changé. Voilà, tout est démonté. Donc on voit les pièces qui sont cassées là, automatiquement. Les pièces à changer. Alors, c'était pas ça. Non, c'est là. Ah là, je l'ai. Je l'ai pas sur le côté. Ah, c'est bon. Ok, il fallait que je change les pièces avant. Au moins, ça me démarque. Alors. Voilà, canon de 14, 300 balles. Par contre, mon argent n'avait pas changé sur l'autre mission. C'était, je sais pas. À voir. Pas 15 coups. Regardez, je l'ai pas. Tu bats 15 coups. Si, et là. Ça, c'est le couvert qui me fout le tube. Je te prie. Ça peut être celui-là, garde à main pour. Je me demande combien de temps qu'il a pas nettoyé son arme. Et forcément, on va peut-être aller l'essayer un tout petit peu derrière.
Je faisais le geste, maintenant il faut juste cliquer. Et voilà, on remonte tout. La petite goupille, goupille de serrage. De niveau vue, je suis pas fan. Au lieu de le laisser cadrer sur sur un truc, là il zoome automatiquement. Je devrais tourner la vue pour éviter ce genre de choses. Regardez, il y a une toute petite pièce de bras-bras là-bas. Si on l'oublie, ah, pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est armement, hein, qu'il y en a pas mal en ce moment grâce à des jeux comme Call of. Je pense à mon neveu automatiquement qui me dit ah, j'aime bien cette arme parce que je l'ai vu dans Fortnite ou je l'ai vu dans Call of ou nanana. Ça pourrait être intéressant. Elle est toute belle. Bon, on va aller l'essayer. Je vais partir que là. C'est cubé.
Ah, j'en ai fait qu'une fois du CQB. Et c'est marrant. Même pas le zoom. Ok, le nombre de balles est affiché en bas. Bien ça 28 secondes. Ah, pas mal, pas mal. J'aime pas, j'aime, mais vraiment pas ce zoom. Vous voyez, le zoom il diffère. Ah, je suis pas fan. Sans le ranger, je peux aller directement. Okay. Ah, c'est bon. Bon, bah, on pourra rendre l'arme directement. Un petit coup de lag. Et voilà, terminé. Bah moi je dis que petit test concluant, franchement, jeu vraiment sympa. Ah, on va peut-être regarder. Et voilà. Ok, je les gagne vraiment au fur et à mesure. Donc à force de nettoyer et tout, donc voilà. Pourquoi pas? Et après, je peux attribuer des points. Ah, parce que je l'ai fait qu'une fois. Ok. Ok. Je gagne des points aussi de compétences. De plus que je vais démonter les armes, de plus que je vais les connaître, de plus que je vais les connaître, de plus que je vais les démonter vite. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est bien trouvé. Regardez là, j'ai deux pareils. J'aurais fait celle-ci en premier, j'aurais pu faire sûrement celle-ci. On va l'afficher, je sais pas. Ah, en tout cas, voilà, là j'ai commencé à avoir de l'argent. Mon argent il a changé, donc ça c'est bien. On va attendre vraiment. Waouh, ah, j'adore. J'adore cette arme. On va attendre quand même un petit moment avant de vraiment racheter des armes comme ça. Je ferai peut-être un deuxième épisode, franchement. Pour moi, en tout cas, ça a été concluant. J'ai vraiment envie de voir. Allez, regardez. Là, je peux le rénover. C'est sûr. Même si je gagne pas beaucoup. Je m'en fous complet. Genre, je vais reprendre ça. Mais bon. Donc voilà, au prochain épisode, on verra cette arme-là. Arme mythique.
Mais je ferai un deuxième épisode sur ça, c'est sûr et certain. Ouais, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, dites-moi si vraiment ça vous a. Si ça vous a plu, si vous voulez vraiment que je continue, voir jusqu'où que ça peut nous emmener, en sachant que moi que là, bah pareil, hein, je vais avoir la fraise que je vais débloquer, le tout ici, il y a vraiment pas mal de petits trucs là derrière, donc personnalisation d'un vue, la peinture, donc on pourra changer la couleur même des armes, ici pareil, ça va du sablage, il y aura vraiment pas mal de choses à faire, hop, j'ai même pas vu la petite porte ici. Regardez, il y a vraiment pas mal de choses. Vêtements de protection. Bon, là, tout ce que j'espère, c'est que j'aurai pas de droit d'auteur. Je vais juste le voir. Hein? Vraiment, si j'ai pas de droit d'auteur, bon, on va le laisser. Ah, c'est bon, on verra au montage de la vidéo. Laissez-moi un commentaire sur ça, sur la vidéo, si vous voulez que je continue. Regardez quand je verrai quand même pour un deuxième épisode et on verra par rapport à ça. Moi en tout cas, ça m'a plu énormément. Ça m'a plu énormément. De test. On verra. En tout cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce, ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous! Allez, ciao, ciao, mes biloutes, à la prochaine!